Elle est bien celle-là. Elle est super bien celle-là. C'est bon les potes, je me suis fait des nouveaux potes là. Bon bah, on va y avoir du lourd dans cette interview. Franchement, pas mal de pépites en perspective. Hein. Il est vrai. Voilà. C'est vrai. Pas mal de pépites, que de l'inédit. De quoi? Que de l'inédit. De quoi? De l'inédit. Ah voilà, des pépites inédites. Pépites inédites. Voilà. Mais tu parles de quoi là? Tu parles de la setlist. Il se passe quoi à 22h30? LSPC, petite scène. LSPC, petite scène. On nous a négligé. D'accord, bah, je vais faire gaffe alors. Partie remise. Aïe aïe aïe. Si si. Sois pas gêné François, t'inquiète, sois pas gêné. François. Ah bah je vais faire ce que je peux. Vas-y, fais-toi plaisir, on est comme si on était sur la terrasse, tranquille. Ah bah je vais faire ce que je peux alors. Vas-y. Alors c'est parti là l'interview là. C'est parti. Bon bah ici FSE, j'ai l'honneur, le plaisir et comment on dit la surprise. Le privilège. Privilège, je sais pas encore. Hein, d'abord faut que je vous voie à 22h30 et puis ensuite je pourrai juger. Mais déjà moi en fait le truc c'est qu'à la base j'aime pas trop le rap. Donc c'est. Enfin après ça dépend. Pourquoi tu dis ça déjà? Donc déjà pourquoi dire ça déjà? Bien. Mais j'ai pas, tu vois. Enfin voilà. Alors du coup, alors là, vous êtes... Nous, à la base, on n'aime pas trop les interviews, tu vois. Ah ouais. Mais on est là quand même. Ça fait plaisir. Faut faire des efforts dans la vie, un peu de discipline, ça fait pas de mal. Ton côté comme du nôtre, alors. Bah, moi, je vous remercie. Hein, de... Tu mettras un pied dans le rap assez aisément. Ah, peut-être, hein, ça se trouve, je vais devenir un grand rappeur. Pourtant, François, si je ne m'abuse, il y a quelques années, j'ai entendu un rap... de la super bande de potes en bande originale d'une pub. Ça faut le dire devant la caméra parce que ça franchement il y a quelques années une bande annonce où François Sivad rappait ou alors où JPK ou Jean-Paul Cup rappait. Il a rappé. Indication parce que là il veut parler de l'anniversaire déjà de Jourdan. Il a rappé. Et voilà, et il ça c'est quelque chose de bah voilà de bah ça c'est quelque chose qui compte pas. Voilà qui compte pas. Voilà. Bon alors en fait vous êtes beaucoup donc alors je sais pas comment vous appelez. DJ Addict. Alors, en fait ton prénom c'est DJ et Addict ton exactement. Nom de famille exactement. Non. On veut pas divulguer d'accord. En fait nos vraies identités. De quoi? Un vrai drogué de la musique. De qui toi? Non, lui. Ah d'accord. Ah ouais. T'es addict au rap. Non pas que au rap mais au shit d'accord. Aussi, au shit, rap, on peut le en fait. Dire. Et... Je sais pas pourquoi je suis avec eux en fait. Moi-même, Lab, L2AB, Lola Boy pour les centimes. Voilà. Moi-même, OMAX pour les familiers. Ah bah nous, on se connaît. Hein. LSPC, on se connaît. Voilà. Enchanté. Mais on se connaît déjà quand même. Voilà. Mais enchanté quand même. Karim, RIMK, mon petit pote. De quoi? RIMK, Karim. RIMK? Oui. Je peux dire RIMK aussi ou... Non. D'accord. Non. RIMK alors. Il faut un certain level pour moi ça. C'est Django, J-E-N-G-O. Django? Django avec comme un E, mon ami. Comme le film là avec Tarantino. Non, il n'y a pas de D, il n'y a pas d'A. J-E-N-G-O. Et vous avez kiffé ce film Django ou pas? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Franchement, je trouve que Tarantino explose littéralement. Ouais, mais en fait, je trouve que moi, ce qui me dérange avec Tarantino, tu vois, c'est que je trouve qu'il aime un peu trop les pieds des femmes. Voilà. Tu trouves? Les pieds des femmes, voilà. Ok. Mais comment ne pas aimer les pieds des femmes? Bah non, mais j'aime bien, mais bon. Amasser, tout ça. Ouais, bah. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, c'est Wills, W-I-2-L-S. Wills. Non, bah, c'est mon nom de scène, voilà. Dis-leur maintenant, voilà. Dis-leur. Alors, allez, mon prénom à moi, c'est Wills. Voilà. C'est un menteur, il est venu avec la carte d'identité. En fait, attends, viens voir. Parce que moi, je m'appelle FSE. C'est mon blaze. Voilà. FSE dans le bungalow. Et donc vous, votre groupe de musique LSPC. LSPC. Donc LSPC. Lourd, sale, propre, crade. Lourd, sale, propre, crade. Ça veut dire lourd, sale, propre, crade. D'accord. Lourd, sale, propre,
crade. Mais tous les adjectifs qu'il y a. Mais en fait, je trouve qu'il y a... Laisse passer. Enfin, je trouve que c'est, mais c'est un peu incohérent parce que vous faites, en fait, vous êtes à la fois crade et propre aussi. Mais comment telle est la contradiction. Tel est le paradoxe. Bah en fait, si je suis sale, je peux pas être propre. Mais non, et si je suis propre, je peux pas être sale. L'image très simple. Par exemple, tu vois les pieds d'une femme. Tu ouais. Tout à ouais. Tu es là. Ouais. D'un coup, tu vois les pieds d'une femme. Tu vois. Ouais. Tu les trouves mais magnifiques. Ouais. Et le seul truc qui te sort de la bouche, c'est sale. Ouais. Sale, tu vois, ça peut être. D'autres, ouais. D'autres ils ont d'autres trucs. Il a bien résumé. Tu vois, c'est genre. Ouais. Ah, c'est crade. Ah, ouais. Tiens, genre, et puis d'autres, ils vont dire c'est propre. Ouais. Ils vont dire lourd. Propre. C'est, ah, lourd. C'est propre, tu vois. Allez, propre. Ah, j'aime ton style. Propre. Pourquoi ce LSPC? Enfin, pourquoi lourd, sale, propre? Qui c'est qui a eu l'idée déjà entre vous? Alors, là, c'est lui. C'est lui. Faut le filmer, C'est lui qui a eu l'idée. Faut le filmer. Allez, moi je. La vraie histoire, c'est que. C'est que, écoute, à la base des bases, quand on a formé le groupe. Attends, je raconte. Vas-y. Vas-y. À la base, en fait, on avait besoin, il y a un an de ça, un peu plus, on a fait un concert à Paul Bayard à Massy en première partie de This Is La Peste, le 5 mai, je crois. Il écoute This Is La Peste. Et en fait, la programmation de la salle avait besoin d'un nom de groupe. On s'appelait Projet Rap. À l'époque. Projet Rap. La relève, ouais, c'était la relève. En fait, non, voilà. On avait deux jours pour trouver un nom. Sinon, dans le livre de programmation de la ville, on s'appelait Projet Rap Paul B. Non. Ouais. La relève. On s'appelait la relève. La relève. Et donc, on a moi, j'ai su ça, on s'est tous appelés. On a dit la relève, c'est pas possible et tout. Et il s'avère que LSPZ, c'était un truc qu'on avait eu l'idée, qu'on avait eu cette idée-là, qu'on trouvait que ces lettres allaient bien ensemble et tout. Que le fond au final, lourd, sale, propre, crowd, ça veut dire quelque chose et ça nous ressemble. Et ça nous fait gueule rire. Ouais. Donc on a gardé ça quoi. Donc c'est toi qui as trouvé le nom du groupe alors? C'est moi qui ai trouvé le nom du groupe. En fait, c'est toi un peu le chef de la bande alors. C'est toi le. Il n'y a pas de chef jusque-là. Attends, quand il y a une structure, il y a forcément un chef. Un leader. Alors, non, il n'y a pas de leader. C'est qui le leader? On est tous des leaders. Je dirais que notre chef, c'est l'amour. Ouais, mais parce que rien à offrir sans l'amour. Se traduit à travers nous, mais c'est pas une personne. Alors c'est qui? Olivier. Savoir, moi. C'est toi? D'accord. Dépend, ce soir là, tu peux regarder. T'inquiète pas que si tu veux chercher qui est l'amour, tu vas la trouver. T'inquiète pas, tu peux regarder ce soir. De quoi? Attends, j'ai pas compris. Non, vas-y, j'ai pas compris, je veux savoir. Je me sens dans le. La relève divague. Je me sens dans le manque, tu vois, parce que j'ai pas compris ce que t'as dit, mec. Non, je disais que ce soir l'amour est présent, outside. D'accord. L'amour est présent, tu cherches dans tous les coins, il est là. Et il est où l'amour? L'amour est là partout. Mais où ça? L'amour est autour de nous, mec. L'amour est là. L'amour est là. L'amour est dans la technique. L'amour est dans l'image. L'amour est dans la musique. D'accord, ok, l'amour est partout. Alors moi, ce que je vous propose, on va faire un petit jeu. Est-ce que vous êtes fort en improvisation? Ouais. Ok. Bon, ce que je vous propose, c'est que là, vous êtes chaud, vous faites. Alors, ce qu'on va faire, c'est que chacun, vous allez sortir une phrase, une rime sur cette interview. D'accord. Voilà, sur le contexte d'être interviewé par FSE. Par la super bande de potes, hein, parce que bah, c'est nous hein, qui. Faut qui le préciser. Hein. et voilà. Ouais. Ah, t'étais. Ah oui, t'étais. Voilà, D'accord. Et donc, tu sais pas faire des rimes, c'est pas ton truc. Si, t'inquiète. Ouais. Quand tu téléchargeras la tape, parce qu'elle va sortir. C'est quoi une tape? Une tape, c'est une mixtape, l'abréviation de mixtape. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est quoi une mixtape? Une mixtape. C'est une mixtape, c'est un nom anglais. Ouais. Dire en français, c'est des mixés. Et mixtap. Voilà, exactement. D'accord, ok. C'est une cassette mixée. Là, tu auras plein de sons et tu vois, c'est ça. Et gros, là-dessus, tu verras, t'écouteras notre DJ. Ouais. Lâcher du gros son, des grosses rimes. Et c'est en mode. Voilà. Non, c'est plus en mode. Voilà. Oh putain. Mais en fait, le truc c'est qu'on a plusieurs micros. Même pas besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est que lui, vu qu'il est allé trouver le nom du groupe et tout, bah c'est lui qui va faire la rime. Et toi, tu sais bien faire les bootscats, tu vois. Donc toi, tu vas faire le bootscats et toi, tu vas faire la rime. Le bootscats, rime, ouais. Rime sur quoi, François? En fait, c'est une technique. En fait, tu vois, c'était un été et ouais, bootscats. Voilà, okay. C'est trop rapide là. Bon, alors un peu plus long alors. Non, mais il va gérer. Vas-y. T'inquiète, il va faire ce qu'il faut. Et voilà, et puis Omax va rapper dessus. Vas-y. Yeah. 3. Yeah. 4. On est avec François Sivad. T'inquiète pas, c'est pas si mal.
On n'est pas très loin de Massipal. Et il a piqué. Ok, j'ai pris ma CB. On est là, on fait l'interview. Rien à foutre, mon gars. Ok, tu sais que si tu veux la review, si tu veux, tu peux même la replay. On est là, t'inquiète, ça va pas riper. On va enregistrer toute la sortie de console. On est là, mon gars, j'ai toujours pas amorti mon sort sur mon compte en banque. J'ai toujours pas arrangé mes problèmes. Ouais, rien à foutre, on est là, on n'est pas à l'OM. Ah, ah, franchement, je suis épaté. Ah, franchement, tu vas presque me faire envie d'aimer le rap. Ah, j'espère bien. C'est voilà. Une bonne nouvelle. Mais tu sais, il faut qu'on en discute, François, parce que moi, je peux pas te laisser comme ça. Ok. Bah alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de faire d'être au même niveau que lui, et je vais essayer de faire un petit rap aussi. Vas-y, je suis chaud. Vas-y, t'es chaud pour faire le beatbox ? Tiens-moi ça. Allez. Le tempo, ça te va ? Ouais, n'importe. Peu importe. Ouais, moi je m'appelle MC Vald, je suis pas né à Stalingrad car je suis un putain nomade. Moi je raconte pas de salade, ça devient salace. Alors appelle le pape du rock, le rock du pape, parce que moi je vais faire n'importe quoi et maintenant. Oh, lourd. Voilà. Franchement, c'est du lourd. Il est dans la maison, il est validé. FSE est dans la maison. Ouais, bah franchement, il y a un peu tout ce qu'on veut. Hein. Il y a des bonbons, il y a des filles, il y a de la musique. Il y a un petit peu d'argent. Il y a des problèmes, François. Non, pour certains. Non, y a pas de problème. Je t'arrête tout de suite, y a pas de problème. Pas de problème, mais avec des soucis. Oh putain, t'es négatif, hein. Non, mais t'inquiète. C'est la. Non, mais. Voilà. En fait, toi, t'es le versant positif de LSPC. C'est ça. Et toi, t'es le versant négatif. Ça, moi, je suis le mal. En fait, à vous deux. On va dire que LSPC, ça fait une courbe. Ouais. Mais pas exponentielle, tu vois. D'accord. Ça y est, je comprends t'es, plus. Là. T'es mathématicien dans. Ça part. Comme ça, tu vois. Ça devient de plus en plus positif, tu vois. D'accord. Ouais, et qui est le plus positif selon toi ? C'est là, le plus positif. Ah, je prends ta place. Je prends la place de François ce soir, les gars. Oui, donc le plus positif. Qui est selon toi le plus positif du groupe ? Le plus positif ? Oui. Je dirais que c'est mon petit Karim. Tu penses le gars est positif. Ouais, moi je suis positif. D'accord. Moi. Toujours là, quoi qu'il arrive. Ouais. Même si je suis en retard, je suis souvent. Bah, c'est en retard. Vrai que t'as une tête de. De mec positif. De winner, tu vois, je trouve. Il est chaud. Ah, merci, c'est cool. Et il a pas le temps, t'as à me dire que j'ai une tête de fumeur. De quoi ? T'as une tête de voleur. Non, ça c'est moi, mais chacun son. Classic shit. Et du coup, alors attendez, maintenant une petite dernière question. Alors moi je trouve que parce que moi je connais la vie de groupe comme ça hein, avec son création, la super bande de la potes super et bande tout. De potes et BMM aussi hein, c'est du passé malheureusement hein, mais c'est quand même c'est, malheureusement, ça, malheureusement, ça existe hein. C'était lourd. C'est vrai. Et alors moi j'ai une question, est-ce que à la base vous êtes une super bande de potes vous aussi? Alors là c'est comment te dire, nous sommes devenus une super bande de potes. D'accord. Parce que non, si pas tu moi, veux pas moi. Bon oui, mais c'est comme je te l'ai dit, tu vois, non, ça part de là, après pas, ça fait exploser. C'est juste qu'on nous a dit, en fait, il y avait un trou dans la programmation. Ouais. On nous a dit, ouais, vous êtes, si vous avez des textes à rapper, tout ça, vous venez. Voilà, ouais. Nous on s'aime pas. Django, moi, j'ai volé ses affaires quand on était à l'école. C'est vrai. True story. Real talk. Je comprends. Real talk. Une casquette TN, mon gars. 24 heures dans un caleçon. À la ville, on s'aime pas. Les gens ne savent pas. À la ville, on se connaît pas, on s'aime pas. Et d'accord, t'aimes pas les mecs de ton crew. C'est qui le mec que tu détestes, que t'aimes le moins dans le truc T'es ma Django, dans quoi, il a dans flippe, quoi dans, le, dans... dans LSPC là. Ah dans la vie, celui que je déteste le plus. Non, ouais, là, dans la vie, dans LSPC, ouais. Il a dit. Enfin, dans ton crew quoi, enfin dans le groupe d'Europe. En fait, la vérité, moi je crée des conflits, ça. Moi, on va monter sur scène tout à l'heure là et on va se taper. Mais non, mais justement, je suis un psychanalyste. Mon pire ennemi dans LSPC est mon. Comment je peux dire ça? Les mesures à 4 temps. Non, je déconne. Mon pire ennemi dans un bloc, c'est hein. Mon. Son ordinateur ah. C'est son ordinateur. C'est ça. De ouf, mec. C'est ça. Ah là là, si tu savais. Tu savais avec quoi? C'est mon step a été produit. Avec du scotch. Eh, tu vois, la bite et son couteau. Bah là, c'est. On avait même pas de couteau, tu vois. Et une demi-bite. Scotch. Genre, et encore la bite tenait avec du scotch, tu vois. Tu sais que. Tu sais, quand j'étais un jeune enfant. Ouais. Quand j'étais. Il y a 6 ans, j'ai fait une musique qui s'appelait Ma bite et mon couteau. Pas mal. Et ça faisait ma bite et mon couteau, ma bite et mon couteau, ma bite et mon couteau, et du ragoût, et du ragoût, et du ragoût, et du ragoût. Alors, et du ragoût ou du ragoué ? Du ragoût. C'est comme du ragoût à manger quoi. Ouais, du ragoût de mouton. Ok, d'accord. Voilà. Sinon, tu aimes bien le ragoût ? Bah, c'est pas mal hein. Avec courgettes, aubergines, tout ce qu'il faut quoi. Ah, franchement, mon plat. Après, le ragoût c'est bien, mais ce que je préfère c'est.
ratatouille. C'est pas mauvais la ratatouille, mais le bœuf bourguignon. Ah, alors, tu parles des vraies choses. Tu parles des vraies choses là. Ouais. Ah mon Dieu. Tu l'as eu là. De quoi tu viens de me faire agresser là. Et j'ai la bande. On a la bande. Tu zoomeras au montage. Vous faites les trucs qu'il faut. Et de quoi il a eu le bœuf. Regarde le sourire. Regarde rictus là. Regarde. Juste là. Zoom. Tu peux zoomer. J'ai pas encore accès à mon inconscient, mais de quoi il peut parler. Al-Shaitan. Je sais pas. Ah, je me casse. Bon bah de toute façon vous allez tous vous... Enfin c'est pas que je vous aime pas mais vous allez tous partir parce que nous on a un programme hein, et on arrive à un terme à l'émission. Restez branchés, LSPC, et donc, octobre 2015, la tête sort, c'est pas une farce, cette fois-ci c'est vrai, c'est la vérité, voilà. Mais sinon, octobre 2015. Mais sinon on est là LSPC. À 22h30 LSPC à Outside. Si c'est pas octobre ce sera jamais la famille. C'est gratuit la famille. Voilà. Le feu, c'est Mère François. Bon bah écoute, on se retrouve à 22h30 sur la grande scène ou la petite scène. Elle est super le mec. Ah il recommence. Regarde il recommence. Ouais bah c'est... Ah petite scène, 22h15, soyez au rendez-vous. Si si. La famille et la farine. Et les potes aussi. Voilà. Bon bah c'était LSPC hein, franchement bon on va voir ce qu'ils donnent hein. Après c'est vrai que j'ai oublié de leur demander mais ils portaient des t-shirts chelous. En fait ils avaient tous le même t-shirt. Et il y avait marqué pirate aussi. Alors, bientôt nous allons passer aux animaux. Alors, les finalistes de l'Open Mic.